Bonjour à tous et bienvenue, c'est Bubix. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de ma série de Let's Play consacrée à Feed the Beast. Et aujourd'hui, on se retrouve encore une fois avec Jim. Salut Jim. Salut. Donc, pour un nouvel épisode, la suite évidemment du très très long épisode qu'il y a eu mardi dernier. Et on va continuer un petit peu dans l'architecture et la mise en place un peu de la ville. Donc on va se retrouver en jeu. Hop. Et voilà. Donc on va commencer donc comme d'habitude par un petit résumé de ce qui s'est passé depuis le dernier épisode. Déjà visuellement, vous devez avoir un aperçu de ce qu'on a pu faire depuis ce dernier épisode. Ah. Tout d'abord, Jim s'est habillé. Eh oui. Voilà, donc il s'est un peu équipé. Et puis on a pas mal travaillé, hein. On a mis en place tout cet espace, hein, toute cette zone, donc qui ressemble vraiment à une zone assez naturelle, hein. Donc pour l'instant, il n'y a aucune construction dessus, mais ça viendra au fur et à mesure. Jim d'ailleurs a décidé de changer de cap, puisqu'au départ, dis-moi si je me trompe, tu avais prévu de partir sur une aventure basique, enfin un départ classique, aller miner toutes tes ressources, etc. Et puis petit revirement de cap. Du coup, il a Oui, tout à fait préféré exact. aller piocher dans mes réserves directement pour s'équiper et puis pour m'aider passer plus rapidement en fait à m'aider sur les À la constructions quoi. construction. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, beaucoup de choses ont été avancées. On voit les jardins suspendus, donc j'ai pas mal passé de temps dessus à les mettre en place. Donc, il y a des tours qui ont été fabriquées. Donc, ça avance à ce niveau-là, par ici aussi. Donc, pour l'instant, bon, bah, vous pouvez le voir, c'est en cours de construction. Mais du coup, on peut commencer à percevoir de façon assez nette toute la zone d'agriculture. Pour l'instant, elle est vierge. Mais justement, nous souhaitons donc, lors de cet épisode, eh bien mettre en place, commencer à mettre en place du coup cette zone. Donc ça sera la part de Jim. Et pour ma part, je vais donc m'attaquer à toute la zone forestière. Donc, voilà, donc la zone agriculture, et puis on va aller du côté de la zone forestière après. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ce que tu veux faire? Bon, déjà, on avait vu qu'on allait faire plusieurs fermes, bon, des fermes animaux, des Voilà. fermes végétation, canne à sucre, cactus, un peu tout ça. Il y avait aussi les fermes à mob, mais ça, on va voir ça plus tard. Et Yes. justement, moi, je vais m'attaquer aux fermes agricoles et animaux. Et on va s'implanter ici, là, dans ce vaste terrain. Puis un petit peu ailleurs aussi. C'est ça, Bubix? Tout à fait. Ici, ça va être vraiment. L'idée, c'est de garder un esprit RP un petit peu aussi, hein. Donc ici, ça va être vraiment la zone agricole avec les champs de blé, etc. Peut-être d'autres champs un petit peu aussi. Il hein. Y a d'autres champs à les pommes de terre, les carottes, etc. Mais ça reste un petit peu plus village. Donc peut-être dans le village, on verra. Effectivement, tout ce qui est animaux, pareil, ça sera pas forcément implanté ici, puisque bah, y a rien, hein, c'est un peu la pampa. Donc on va essayer de regrouper ça autour d'une ferme. Et il va y avoir aussi, par exemple, comme tu disais, la canne à sucre qui sera implantée à un autre endroit, pour pas que ça surcharge et que du coup ça soit moins RP, hein, puisque c'est aussi un peu l'idée d'avoir quelque chose qui ressemble Oui. à une pseudo-réalité, si on veut. Donc voilà pour la partie agricole. Donc Jim va commencer donc lors de cet épisode tranquillement à mettre en place tout ça. Et puis on se reverra après à la fin de l'épisode pour échanger un peu sur ce qu'on a fait.
Pour ma part, je vais m'attaquer donc à tout ce qui est la zone forestière. Donc, la zone forestière va être divisée en deux parties. Il va y avoir une partie production, donc qui sera le cœur vraiment de la production de bois de la zone, et une partie un peu plus parc. Avec un joli étang qui est dessiné ici, hein. Donc pour l'instant il n'est que dessiné, mais au fur et à mesure je vais le creuser, où il y aura donc toute une partie arborée assez sympa, hein. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez réaliste, avec un rocher en plein milieu, etc., etc. Et donc une partie production vraiment de masse, avec une présentation des différents modes qu'on peut utiliser pour produire du bois de façon massive. Voilà, donc lors de cet épisode, je vais tranquillement commencer à mettre en place tout ça. Je pense que je vais continuer un peu à faire du terraforming et à finaliser un peu ce jardin suspendu. Et puis du coup, en fin d'épisode, on se retrouvera avec Jim et puis on échangera sur ce qu'on a fait et du coup, on se donnera des idées et puis on verra ce que l'autre a fait tout simplement. Voilà. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à tout ça? Non, il n'y a rien à rajouter. Je pense qu'on a dit tout ce qu'il fallait dire pour commencer. Eh ben, c'est parfait. Écoutez, on va faire une mini pause et puis on se retrouve juste après pour la suite de l'épisode. Allez, à toutes. Donc, nous revoici. Comme vous pouvez voir, j'ai fait ce que je voulais faire, c'est-à-dire planter du blé, des champs de blé à perte de vue. Alors pour l'instant, il faut attendre que ça pousse pour que ça donne un rendu un peu plus joli. J'ai mis quelques lampadaires pour éclairer, parce que je trouve que ça fait plus beau et voilà quoi. Alors de ce côté-là, j'ai commencé quelques patterns. Et c'est ici que je vais faire une sorte de grange, moulin. Il y aura peut-être quelques animaux au début dedans et bon, on va voir. Ouais. Donc, je vais le faire en même temps avec vous là. Alors, je voulais laisser 5 de place. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc ici, je vais faire de la verdure. Je vais mettre de l'herbe. Et du coup, quelques pousses d'arbres. Et d'autres détails. Une petite pour la décoration. Ouais. Alors, je ne sais pas du tout la taille du bâtiment. Tiens, je regardais. Là, puisque 1. Bah, de toute façon c'est simple. Non, bah non. Je dis bêtises. Hein. Enfin, je pense à des bêtises, je ne l'ai dit pas encore. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Bon, c'est nickel. Chiffre impair, je préfère. Donc, si je voulais mettre une double porte, ça va être compliqué. Oh, on va s'arranger. Alors, j'hésite. Ouais, si, on va mettre. Bon, ça risque d'être trop long, alors je sais pas si je vais tout faire dans cette vidéo-là. On en est où là? Avec 5. Ah oui, il faut que je fasse attention ici. On va aller jusqu'au bout là, on va voir. On m'arrête avant, oui. Hop. On va relancer quelques crafts parce que je risque d'en avoir encore besoin. Oui, comme vous pouvez voir, je me suis crafté la Power Tool. Bah, parce que j'avais pas de table de craft. Et du coup, bah là, j'ai une table de craft à portée de main. Alors, ce mode-là, c'est vous permet de vous téléporter.
Vous lancez des Underpearl, mais évidemment, j'étais pas sûr, mais au final, bah, il faut les avoir avec soi. Enfin, il faut en avoir dans son inventaire. Ok. Alors, les petits murets, c'est ça qui va délimiter le terrain de la grange. Et au sol, bah, ça sera l'emplacement du bâtiment. Aïe. Après, je... Off, non, c'est bon. Bon, je sais pas pourquoi je me prends des dégâts. Alors, le problème c'est qu'avec la Power Tool, c'est que vous planez sur le sol, vous ne marchez pas dessus, et du coup, bah, aïe, bah, voilà. Ouais, mais par contre, ouais, je crois qu'on rebondit sur le sol, et puis, du coup, bah, là, si je fais Shift, je crois. Ouais, non. Faut que je désactive pour pouvoir. Hop, vous voyez. Elle est quand même assez efficace. Planter du blé. Loin, non, c'est là. Voilà. Allez, stop-toi. Il veut plus. Je dois plus avoir d'énergie. Ah oui, c'est pour ça. On va aller recharger ça. Ah, ça avance moins vite là d'un coup. Peut-être augmenter la capacité de la batterie. Je sais plus à combien je l'avais mis. Alors normalement de mémoire, il me semblait que. Avec le casque. Ah oui, le casque il est vide aussi. Bon, d'accord. Parce que normalement, sur le casque, j'ai le rechargement solaire et du coup, ça recharge aussi les bottes. Et logiquement, ça devrait aussi recharger la devante, mais bon, j'ai pas la pression. Donc. Bon, le temps qu'il recharge, lui, on va mettre les bottes ici. Hop, on retourne ici. Voilà. Et les bottes. Et je vais augmenter la capacité parce que, du coup, parce que si ça se recharge de journée, ça serait bien d'avoir une batterie un peu plus élevée. C'est ici. Ça nous permettra de tenir la nuit. Non, c'est ici. Alors. Voyons voir si. Non, ça va, je suis pas bloqué. Et je voulais aussi augmenter ceci. Mettre à fond. Voilà. Le casque. Ici. Oh, on va mettre à fond, on va voir. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de différence. On va laisser porter. Non, c'est par là.
Bah ça qu'on va faire, je vais faire une petite ellipse et puis on pourra bien me... Ah oui voilà, ah, c'est pour ça que je n'ai pas mis à fond. On fait une petite ellipse et puis on va se retrouver pour l'avancée du bâtiment. Donc voilà, j'ai un petit peu avancé. Voilà à peu près la forme que ça aura. Il y a quelques détails encore que je vais voir. En tout cas, l'idée qu'il faut avoir, c'est que, bah, comme vous voyez, le champ de blé commence à bien pousser là. Bon, par ici, c'est vers les derniers champs de blé que j'ai plantés. Pour ça, c'est un peu plus long, mais les premiers, ils étaient par là. Voilà. On verra ça quand ça aura bien poussé, tout ça. Et donc, voici l'évolution. Comme vous pouvez voir, ça a pas mal changé. Il y a eu du travail. Je vous présentais un petit peu. Alors, le pont, il a été modifié, mais de toute façon, vous ne l'avez pas vu. Et il est susceptible d'être encore modifié. Parce que je suis pas très sûr du style du pont, on verra. Alors, les herbes ici ne vont pas rester, c'était des essais. Je vais voir qu'est-ce que je vais en faire. Alors, nous avons un petit banc ici. Et dans cette herbe-là, un harvester pour qui récolte automatiquement la canne à sucre qui pousse ici. Alors, normalement, il devrait y avoir énormément de vaches. Je vais couper le son parce que ça va faire énormément de bruit. Les turtles qui tuent automatiquement les moutons, qui les envoient dans des coffres en dessous. Vous avez une vidéo explicative comment les utiliser sur ma chaîne. Alors là, il y a énormément de vaches, il va falloir que je modifie ça. Je vais couper. Alors on va rentrer dedans. Regardez, oh là là. Alors ça c'est la feed station qui va alimenter, qui est alimentée en blé et qui nourrit automatiquement les vaches. Ici nous avons le chronotype, tipper qui récupère les enfants, les bibis, hop, qui les emmène ici. Et puis le grinder qui s'occupe de les tuer, de récupérer les drops. La même chose pour les poules. Bon, c'est vraiment le bordel. Alors l'intérieur a été
On l'avait mis des échafaudages. On a utilisé, bah, j'ai utilisé la méthode que Bubis utilise avec le béton, mais sauf que moi je l'ai peint. Alors ça donne ceci. Hop, l'extérieur. Oh là là, le carnage. Alors là, c'est la petite cave pour descendre au sous-sol. Enfin, l'escalier pour descendre au sous-sol. Le champ de blé. Un harvester qui récolte les, bah, le blé là. Des petits chemins. Des coffres parce que je vais bientôt mettre les golems. Enfin, je vais débloquer les trucs, les recherches dans Thaumcraft. Et là-bas, bah, j'ai voulu un peu casser le plat entre le mur et puis le champ. Alors ça donne ceci. Voilà, une petite cascade. Bon, je sais pas si je vais faire quelque chose par là, mais je pense que je vais laisser. On verra plus tard. Bah du coup, voilà ce que ça donne. Bon, à part les vaches, tout est nickel. On va aller voir du côté de Bubix parce qu'il a, il a pas mal avancé aussi. Il a un peu changé son pattern pour mettre de la couleur noire et puis ça rend super bien. Nous avons de la lumière verte pour le côté végétation qui est par là. Hop, le pont. Ah, ça donne pas mal. Ça va être le futur colisée par ici. L'arène. Le petit lac là, qui fait tout le tour de la montagne. Il a fait du bon travail aussi. Bon, allez. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo et à plus. Ciao!